Amis, gamers, mes salutations, ici Dom, alias Devakin, c'est FacDeGeek.com et bienvenue dans ma série Explore à jeu. Pour cette édition, je vous présente le jeu Eventide Slavic Fables sur Xbox One, qui est aussi disponible sur PC. C'est quoi ce jeu? En fait, c'est un jeu du studio Artifex Mundi. C'est pas le premier que je fais, là. C'est un jeu de puzzle, d'objets cachés, c'est un jeu d'aventure, qui, comme le titre l'indique, puise son inspiration dans la mythologie slave. Je connais pas trop la mythologie slave, mais bon, on va la découvrir un petit peu plus avec le jeu. Je sais pas si ça rapporte aux Vikings ou quoi que ce soit, mais bon. L'aventure se déroule à l'époque actuelle, donc c'est pas médiéval, rien du tout, c'est vraiment à notre époque. Ça se passe dans un parc historique où il y a des créatures mythologiques slaves qui coexistent avec les humains. Oui, ça se peut, en tout cas, ça a l'air dans ce jeu-là. On y campe une célèbre botaniste qui reçoit une invitation inquiétante de la part de sa grand-mère, qui elle-même est conservatrice du parc. Donc, jusque-là, ça va. Par contre, dans cette vidéo, on apprend que la grand-mère est chargée de sauver une plante menacée, mais cette mission-là va se transformer en cauchemar parce que la grand-mère va être enlevée par une mystérieuse bête qui se nomme Boruta. Aucune idée c'est quoi, mais bon. Qui, lui, ou elle, tout dépendant du sexe qu'on lui donne, comme bien d'autres, caresse le but de conquérir le monde. Tout ça en utilisant la magie ancestrale du parc. Rien de trop beau, on s'entend. Donc, pour moi, il s'agit du sixième jeu issu du studio que je fais. Puis j'espère, comme les cinq premiers, que le plaisir va être au rendez-vous. En fait, pour plusieurs raisons, parce que j'aime sa jouabilité, qui est excellente, même si c'est un portage à version PC. Ça joue admirablement bien avec la manette. Puis, deuxième raison aussi, c'est que les scénarios sont très solides, ainsi que la jouabilité en tant que telle. Donc, il n'y a pas vraiment de défaut à ces jeux-là. Ça joue très bien autant sur PC comme je disais tantôt que sur console, donc aucun problème. Puis ben, le scénario a quand même quelques remontissements, donc c'est pas juste de se rendre du point A au point B puis sans qu'il y ait vraiment de surprises, etc. Donc ça que j'aime bien aussi. Le jeu est disponible au coût de 10$ et il vient avec une démo aussi, donc si vous voulez l'essayer avant de l'acheter, là, toujours pratique. Donc je vais sans plus attendre me lancer dans le jeu. Donc ici on a un nouveau jeu, option puis à collectionner. Je peux aller dans l'option tout de suite, là, voir, là, ok, volume, écran, luminosité, etc., etc. Bon, pas obligé d'aller vraiment là-dedans, je connais pas mal tout de ces jeux-là, c'est pas mal basé sur le même modèle, finalement. À collectionner, ça, c'est comme dans tous les jeux, effectivement, il y a toujours des trucs à collectionner. Donc, si c'est 0 sur 30, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, il y a 30 trucs à collectionner dans le jeu, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Je me souviens du dernier jeu que j'avais fait, il y avait des pieuvres, il y avait des hippocampes, il y avait plein de trucs à trouver dans les niveaux. Mais celui-là, je sais pas. Avec le temps, on va découvrir, j'imagine. Je vais fermer ça ici. Puis, je vais aller commencer le nouveau jeu. Comme dans tout bon jeu d'Artifex Mundi qui se respecte, il y a une histoire principale que vous voyez ici. La fable slave et la nuit d'été. Ça se débloque lorsqu'on a fini l'aventure une première fois. En fin de compte, c'est soit un prologue, soit la suite, ou soit ça dépend. Mais moi, je vous conseille de le faire par la suite parce que ça explique vraiment un bout d'histoire finalement. Donc, je vais faire ça ici. On peut le faire à normal ou à expert, ça aussi, ça change pas. La plupart des jeux sont tous basés comme ça. Donc, moi, je vais le faire à normal. Vous pouvez le refaire à expert par la suite aussi. Là. Normal. Et c'est parti. Petite intro. On va écouter ensemble. Letter was important. Dear Mary, I was so proud to hear how you saved those ancient plants from extinction. Actually, it is why I'm writing. I need your expertise. A rare plant, one which is very dear to me, is dying. It may sound strange, but the whole fate of our heritage park is dependent on this plant. Please, come to Moorland as quick as you can. I'll explain everything when you get here. Huh? What is this? Une gigantesque chauve-souris. Bon, fait que ça commence comme ça. On est victime d'une sortie de route. La voiture a glissé de la falaise, mais un arbre a stoppé sa chute. Je dois sortir de là et vite. Bon, on va regarder plus près. C'est ici, je vais zoomer là-dessus, prendre un objet. Ici, l'espèce de montre. Voilà, c'est fait. Bon, là, on peut utiliser des astuces, mais bon. On ne l'utiliserait pas, je vais juste essayer de fouiller un peu.
Bon, et les autres, ils me montrent comment faire, donc je vous ai montré un peu comment ça fonctionne. C'est un peu comme ça tout le temps, en fin de compte. Il y a des objets à agencer aussi, il y a des puzzles, il y a plein de trucs. Là. Donc, c'est interagir. La clé doit être dans la boîte à gants comme d'habitude. Donc, si je sors d'ici, je m'en vais ici. Je m'en vais utiliser. Bon, c'est quoi ça ici? Non. Interagir. Le problème, c'est cassé dans l'accident, donc faut que je trouve autre truc. Ici, c'est quoi? Botanisme mensuel. Donc, ça, c'est une espèce de revue, finalement. Qui ressemble étrangement, si vous connaissez un peu les revues de nature, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver de National Geographic. L'espèce de cadrage autour avec la photo, puis le code-barre en bas à gauche. C'est quand même une belle pensée de National Geographic. Je ne peux pas garantir à 100% que c'était vraiment ça l'inspiration, mais je pense que oui. Donc ici on trouve quoi? Un petit sapin qui pue. Maintenant la touche B enfoncée pour revenir en arrière. Donc, je vais voir s'il y a d'autres trucs en avant ici intéressant. Je pense pas, non. On va revenir en arrière. C'est le bas de vitesse ça. Ça prend une coupe, non. Il y avait d'autres trucs là-dedans. Interagir. Ça ici. Grand-mère m'a écrit la besoin de mon âme pour sauver une plante rare, ça a l'air urgent. Donc ça, c'est la lettre que je parlais au départ dans le scénario. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Oh, ici, non, on peut prendre le médaillon. OK. Ouvrez les notes pour voir les objectifs. Okay. Sortez de la voiture. Échappez-vous de la voiture suspendue à la falaise avant qu'elle ne tombe et s'écrase. OK, c'est assez simple. C'est clair. Interagir, interagir, ramasser, bon, d'accord, donc, utiliser l'objet, ça ici, voilà, là, je vais tasser ça ici, je vais pouvoir prendre la clé, c'est pas mal, ce que vous voyez ici, vraiment, c'est pas mal ça, les puzzles à faire, là. C'est pas très compliqué, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, ça dépend, là. Donc, si me demande de prendre la clé, donc, voilà, pour ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Trouver les objets listés ci-dessous. Donc, vous voyez ici, j'ai des objets à trouver. Donc, on va ça ici. Ok. Donc, si je vois comme ça, il y a ça ici. Ok, mais. Bon, il fallait que je ramasse celui-là, ça a absolument ça a l'air. On va y aller. Ça, ça ici, lui ici, ensuite de ça, qu'est-ce qui va se ramasser? Oh, un succès! Œil de lynx! Vous avez trouvé 3 objets en 3 secondes. On me la fait pas. Ensuite de ça, il y a quoi? À part ça, ok, il y a cette petite partie-là qui est là. Et une autre comme ça. Donc, ça, c'est une autre saisir. Ça va ici, je crois. Voilà. Interagir. Une partie qui me manquait, finalement. Ensuite de ça, il manque quoi? Une espèce de quoi comme ça. Ça ici, ce morceau-là. Ensuite, l'espèce de quoi que je parlais tantôt. Là, il manque 2 objets. Un comme ça. Que. C'est de découvrir. Il y a quelque chose à faire ici. Il était ici. Caché dans la boîte, dans le fond de la trousse de secours. Là, il me reste quoi là? Un petit bidule comme ça. Ok, lui, il serait caché où? S'il y a une carte, non, saisir. Et je vais mettre ça ici. Je vais ouvrir et il est là. Bon, ok. Vous avez vu un peu le concept, c'est un peu ça finalement. Là, j'ai besoin de cet objet-là. Probablement pour briser la vitre, puis m'enfuir. Un autre succès. Ah! Succès déverrouillé, ciblage précis. Vous avez terminé un jeu d'objets caché avec moins de 5 erreurs. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc, un autre. Ah, on les collectionne. Chercheur autonome. Vous avez terminé un jeu d'objets cachés sans utiliser d'indice. Ben, merci. Y en a-t-il un autre, là, où je peux continuer? Non, bah, merci. OK. Donc, si, ben, il faut que je brise la vitre pour sortir. Donc, je vais prendre le violet ou la pioche, vous préférez. Et voilà. Ça, en fin de compte, c'est comme l'avenir des jeux d'objets cachés. Hein. Parce que
je sais pas si vous avez déjà joué des jeux sur PC, on s'entend que c'était assez basic. C'était du jeu de l'objet caché, il y avait un scénario bien ordinaire. Puis finalement, ben c'est un peu ça. Parce que lui, il y a vraiment un scénario, puis il y a beaucoup d'interaction sur les jeux d'objets cachés, ce que on va apprécier le scénario en tant que tel présentement. Master of Moreland Castle, and you are Mary? Donc ça s'est vu pour Ruta. Ça a rien d'une bête, ça. You were always afraid of me when you were a little girl, weren't you? Ah, that flying monster which attacked you, he may still be around, hunting. We'd better hurry up and go to Baba. I mean your grandma, of course. Dawn, the monster damaged the gate. I'll need your help with it. Ok. Donc on va poursuivre. Bon, je vais aller ici. Moi, je comprends pas trop, hein, parce que ça se pourrait être le monstre Boruta, sauf que... Un autre? Bon, intrépide. C'est quoi ça? Vous êtes sorti de la voiture en vie. Ah ben, c'est gentil. À noter, ceux qui sont vraiment fans de jeux de succès, là, si vous cherchez des jeux pas chers qui vont vous donner quand même un 500 points assez facilement, ces jeux d'objets cachés là, ça fait le travail amplement. Donc ici, je vais me promener un peu. Ici, c'est quoi? Bon, prendre une carte. Carte ici, ramasser. Ouvrir le bestiaire. Bon, d'accord. Ah! Un autre, bon. Curieux. Vous avez trouvé une carte du bestiaire la première fois. Ah ben. Donc, c'est ces 30 cartes-là, en fait, que j'ai à collectionner, si je comprends bien. C'est qu'il y a 30 cartes de bestiaire. Interagir. Mode. Ah! C'est exactement ce que je voulais dire tantôt. Ce qui m'a attaqué, je pense, c'est un mode finalement, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, le film Mothman Prophecies, en fait, c'est la prophétie des ombres. C'est que c'est déjà arrivé, il y avait un pont en Virginie. C'est une histoire vraie, là. La veille de Noël, le pont a tombé. Mais, chaque fois qu'il y a un événement tragique comme ça qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui voit une espèce de grosse chauve-souris, style humaine un peu, avec des gros yeux rouges de loin. Puis lorsqu'on voit ça, c'est qu'il y a un événement justement catastrophique qui va arriver. Comme dans le film justement, Mothman Prophecy avec Richard Gere. Ou, je sais pas si vous vous souvenez aussi, ben, ça fait longtemps par exemple, là, la centrale nucléaire à Tchernobyl qui a sauté. Juste quelques heures avant, il y a du monde qui ont vu une espèce de grosse chauve-souris comme ça dans les airs, supposément. Souvent, il y a des événements comme ça qui arrivent, on voit ça. Genre de prémonition, je sais pas trop quoi. Bon, il y en a qui le croient, il y en a qui le croient pas. Moi, je suis du style à le croire. Mais bon, je suis peut-être naïf, vous allez me dire, là, mais j'aime ça, ces événements-là. Puis j'ai vécu tellement de choses quand j'étais petit aussi que. Il y a quelque chose, c'est sûr, à croire là-dedans. Là. Donc voilà, ça c'était ma première carte. Voilà. Donc j'ai trouvé la première. Ensuite de ça, il faut que je me promène ici. Interagir. Carte prêt-utile, seulement j'avais cette pièce spéciale. Ok, ça ici. Bon, là ici, il y a un champignon. Interagir. Un couteau. Bon, peut toujours être utile. Zoomer, ça c'est une carte, la carte de Moreland. Utilisez votre monnaie unique, la pièce slave. Attraction touristique, souvenir. Le parc s'est agrandi depuis ma dernière visite. Oui, effectivement, ça a l'air à ça. Acheter carte du parc. Bon, d'accord. Ici, une femme pentagonale pour un jeton ou une pièce. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon inventaire? Non, pas vraiment. That could be useful. 4 pointus, ça nous avait cette pièce spéciale. Ok. Ici, il y a une belle petite fleur. Je ne sais pas à quoi ça m'a servi, mais je l'ai ramassé. Oh, un autre succès. Bon, mais coulons. Amoureux de la nature. Ah oui, ça, c'est moi, ça. Vous avez trouvé une fleur éthérée pour la première fois. Une chance que tu n'as pas enterré. Oh, une petite blague du matin ici. Là. Bon, je vais sortir de celle-ci. Je vais regarder ailleurs, je ne peux pas trouver d'autres trucs. Souvent, c'est ça qui arrive. Hein? Moi, je vous conseille vraiment dans ces jeux-là, c'est que souvent, la solution se trouve dans le même emplacement. Donc, il faut chercher. Des fois, il faut juste faire un autre puzzle, quelque chose comme ça, qui va nous donner la réponse. Discutez, je me charge de celui-ci, occupez-vous de l'autre. Bon, ok, je vais aller ici. Donc, interagir. Je vais tasser ça ici. Il faut que j'attache la carte, peut-être. Je pense pas que ça semble servir. Si vous êtes perdu, il y a toujours la croix directionnelle vers le haut qui peut vous donner des indices. Là. Moi, j'essaie vraiment de faire le jeu sans indices.
Ah, je pense pas, non, c'est ça, ça fonctionne pas avec ça. Donc, je dois relier les rouages. Ouais, ça, j'avais compris. Donc, ça, ça fonctionne pas. Ici, c'est quoi ça? Fermé jusqu'à nouvel ordre. Bon, d'accord. Je vais monter jusque là. Il y a peut-être quelque chose ici d'utile. Zoomer. Donc, je n'ai pas le code. Hein. Ça, ça va me prendre le code pour pouvoir... Oh! Oh, oh, oh! Il y a une corde ici. Celle trop forte pour déchirer avec mes mains nues. Non, mais je peux prendre un couteau, par exemple. Ah, c'est parfait. Je vais ramasser la corde. Là, je vais pouvoir aller voir le rouage et nouer, justement, les deux bouts de ficelle pour pouvoir, justement, ouvrir peut-être la porte du parc. Donc, si je fais ça ici, je prends la corde. Voilà. Là, je tire sur la manivelle. Et, en principe... Oh! Vous pouvez passer mini-jeu lors du rechargement. Ouais, non, mais ça va être correct. Je vais lire les instructions, voir comment ça fonctionne. Relier les symboles identiques pour une ligne continue. Bon. Maintenant, je fais ça comment? Ah, ok, ouais. Non, je viens de comprendre. Là. Ok, non, ça fonctionnera pas. Faut que je recommence. En fait, je me suis. Ouais, mais là, je peux juste comme devoir reculer. Ah, ok, bon, ça le fait de même. Comme ça. C'est pas bon. Comme ça. Et voilà. Bon, c'est pas si complexe. Oh, on a un autre ici. Il va être un petit peu plus long. Donc, si je fais ça comme ça. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça aussi. Lui, il n'est pas si complexe non plus. Là. Ensuite, petite cinématique. Et voilà, on a ouvert la porte. Juste regarder s'il n'y a pas d'autre chose ici. Hein. Dans le fond, j'ai pas, la fameuse pièce. C'est assez décoratif, mais c'est pas ça. Donc, vous avez compris un peu le principe là, de la chose. Hein. Interagir. Je parie que les enfants vont adorer. Oui, effectivement. Donc, c'est toujours à peu près de ce style-là. En fait. Well done. Let's meet with Baba. On va y aller voir Baba. Petite cinématique. It's my grandma's house. Bon. Je pense que le mot qui m'a... C'est la chose sur le genre qui m'a attaqué. Get water! I can't contain the fire much longer! Ok, faut que je trouve de l'eau. Bon, bon, bon. D'accord. Ça ici, c'est quoi? Petite fleur, comme tantôt. Nouvel objet. Interagir, utiliser. Bon. Que deux pièces, mais ça fait que c'est de l'eau. Ok. Zoomer ça ici. Ouais, sauf que là, ça va me prendre quelque chose pour le mettre dedans. Y'a rien là. Monter. Interagir. Ça, j'ai ramassé ça, c'est parfait. La petite fleur ici. Bon, ça a l'air, je viens de comprendre qu'il y a des petites fleurs comme ça dans tous les niveaux. Donc, il faut les ramasser à chaque fois. Je veux que ça débloque un succès à un moment donné. Sinon, pour ça, je vois pas pourquoi. Mais bon. Ici, on a quoi? Interagir. Il manque l'une des figurines. Bon, j'ai pas la figurine, donc je peux pas aller faire ça tout de suite. Ici, c'est quoi? Il va manquer un symbole comme ça. Donc ça, je peux pas faire ça tout de suite. Mais, ici, par contre, je peux peut-être relier ça ici comme ça. You put out the flames.
à ce moment-là, là, je vais pouvoir éteindre le feu. Et voilà. Oui, effectivement, c'est vrai, faut voir ce qui est arrivé au petit garçon. The boy is hurt. Je vais suivre Boruta. Your grandmother keeps the medicine in that chest at the back. D'accord. C'est au moins une pour les châtaigniers d'Amérique. Le docteur Marie Gilbert trouve une méthode révolutionnaire pour éradiquer Trifonectria parasitatica. Ça, c'est du latin. Là. Le champion mortel pour les arbres. Ok, ça, je pense que c'est ma grand-maman. Faut que je me trompe. Ça dépend le journal, les dates de quand. Peux-tu voir la date, je pense, pour moi? Ouais, moi que ce soit moi. Je sais pas. En tout cas, c'est pas là. Donc, ça, c'est quoi? Là, le moral est un peu effrayant, mais joli à sa façon. D'accord. Oh, une autre carte. Mais le château constitue l'attraction principale du parc. J'y suis allé des dizaines de fois. D'accord. Ma remise de seconde, j'étais si content. Ça répond à ma question, c'était à moi. Une photo de mon dernier séjour avec grand-mère, ça remonte à loin. Oui, effectivement. Le parc local de l'héritage slave accueille plus de 200 000 visiteurs par an. Oh, c'est quand même assez... quand même assez populaire. J'ai trouvé quelque chose ici. Ça, c'est quoi? Le code stand. Le code a été écrit ici, il y a peut-être moyen de le récupérer. Bon, sur le dessin, non, je pense pas que ça va là. Je vais aller au coffre comme il m'a demandé. Ça, c'est quoi ça? Comment c'est? Mettez les fragments de l'image au bon endroit. Folklore, histoire, compose de Montslave qui est constitué de pays anciens allant de l'Oriental. Bon. Ok. Je pose une mettre ça où? Comme ça? Ça a l'air. C'est le but, mais bon. Donc ça, c'est une poignée de ces créatures mythiques. Existe encore aujourd'hui grâce à la volonté de Baba qui les protège. Fait qu'on va mettre ça ici. Le dernier. D'habitude, c'est juste, ça vient en 2 ou 3 exemplaires. Mais ça va pas à 4. Regarde dans la fenêtre. Bon. Ok. Je connais ce symbole. Et voilà. Bon truc qu'il faut observer. Silly little girl. Fell for the devil you know trick. Now I have what I came for. My plan can be put into action. I shall avenge all these years of pretending. Oh, le schnapper. Are you okay? Wake up. Ça, c'est le petit coup, don't de... worry. Baruta has gone. Ça, faut te sauver, finalement. Mais bon. Donc, finalement, Boruta est responsable de l'enlèvement de ma grand-mère. Je vais aller discuter avec lui. Are you married? Baba told me all about you. She said you're an expert with plants. Will you help us? My name is Lilacus. Ouais, je suis pour ça, ouais. I help your granny run this place, but we call her Baba, you know. It appears that our sacred flower dying isn't the worst of our worries now. First things first. Your hand doesn't look so good. Yes, it hurts a lot. Baba keeps some healing herbs around the house. Oh, ok. Donc, faut que je trouve de l'herbe médicinale pour lui. Quelque part dans la maison.
Ah, ça me dit quelque chose, ce symbole-là. J'en ai besoin pour... au début, je pense, du jeu. Une petite fleur. Bon, je sais pas si tout ça fait que je donne. Je pense pas. Pièce de meuble, trèfle rouge. Non, je pense pas que c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas ça. Ok. Oh, peut-être par ici dans la pièce. Pièce du fond. Zoomer. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Oh! Peut-être la figurine qui me manquait plus tôt, ça. Un poil trop loin. Il faudrait que j'arrive à la prendre, mais pas avec le couteau certain. Ça marche pas, ça. Mm-hmm. Ça sera pas pour tout de suite. Ça ici. Ah, là, faut que je fasse une recette. Et ça arrive souvent dans ce jeu-là qu'il faut faire des recettes. Donc, ça ici, c'est quoi? Ok. Une petite feuille. Une autre carte. Bon, je suis rendu à 3 sur 30. Mais rien d'autre ici. Ça. Zoomer. Donc, faut que je prenne une potion anti-calvitie. Hey, ça sera bon pour moi, ça. Sincèrement, là. Potion finit la migraine. That's what we need. Bon, c'est lui que j'ai besoin. Ok. Bombe, guérisseur, multi-usage. Donc, première étape. J'enlève ça ici. Bon, parfait. Interagir. Donc là, il me manque. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Ça, je l'ai. La feuille, je l'ai ici. Je pense pas que j'ai tout, par exemple. Trèfle, ortie, souci. Je pense pas. Je l'ai-tu, ça? Ah, c'est ça, je l'ai pas, l'ortie. Ça, c'est du trèfle rouge, hein? C'est ça. Ok, ouais. Je n'allais pas encore l'ortie. Donc, peut-être là-dedans ici. Non, ça c'est une fleur. Monter. Encore ce symbole-là. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Hmm. Non, j'ai pas la feuille qui va là non plus. C'est un moyen, peut-être. Décidément, il manque des trucs. D'accord. Bon, ça, je reviens à la même place. Ok. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la même chose. Ici, ça, je peux pas l'atteindre tout de suite. Héritage slave ambassadeur. Ce titre est décerné en vertu du mérite extraordinaire d'avoir cultivé les anciennes traditions slaves. D'accord. Je vais reculer. Je vais retourner dans l'autre pièce. Peut-être trouver quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Ça, j'avais tout pris. Ça, il y avait tout autre chose. Et dans la pièce, interagir. Ouais, ça, c'est... Je suis d'accord. Lui, il n'y a rien à me dire. Donc, je ressors de là, peut-être la maison. Peut-être trouver d'autres choses ici, c'est quoi? Il me faut quelque chose pour couper le verre de fer enroulé. Ça, c'est quoi ici? Pièce, une sur deux. Ça, je pense pas que le couteau va servir à. Ah, c'est ça, ça me prend pas ça. Ça me prend peut-être des cisailles ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, je peux pas ouvrir ça tout de suite. Ça a été bien, je peux se prendre ça par exemple. Zoomer. Là, ça me prend une pièce, est-ce que ça serait? Non, ça m'en prend deux. Ça, il disait que j'en me prendre à deux tantôt. Bon, j'ai pas de suite encore. Bon, maintenant, est-ce que je peux? Il y a quelque chose là-dedans pour ça, non? Il manque l'une des figurines. Ah,
Guérine de plus tôt là, qu'on voyait. Là. Bon, d'accord. Ça ici, ça c'est un symbole. Le symbole là, bon, ça je l'ai pas non plus. Ça je l'ai fait. Ça c'est correct. Bon, on va sortir de là. Je peux reculer pas aller ici. C'est celui-là, fait que je mette. Non, ça c'est pas avoir le code, c'est pas ça. Je pense que c'était ici. Un jeton et une pièce. Hmm. Ça, ça c'est une pièce. Mais. Un saut de dessin. Non plus. Je pense que je suis allé un peu trop. Bon, c'est la fleur qui est là. On va retourner là. D'après moi, la solution est dans la maison. Faut juste bien chercher, finalement. On va retourner ici. J'ai mis de l'ortie. Ensuite, la fleur qui est là comme ça. Là, c'est l'autre ingrédient qui me manque. Je pense pas que c'est ça. C'était ça? Non, c'est ça. Il manque encore cet ingrédient-là que j'ai aucune idée c'est quoi c'est. Mortier bandage pour appliquer le mélange. Ouais, ça c'est correct, j'ai compris. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Il est où cet ingrédient-là, ou en tout cas. Je suis peut-être mal cherché. Je peux changer les pages, non? Oui, ok, ça c'est correct. Ah. Ok. Attends. C'est quoi ça ici? Je dois assembler les éléments nécessaires pour. Ok, ouais, ça va s'en aller là. Bon, ok. Donc, faut que je trouve le dernier élément. C'est tout. Bon, ça me prend d'autres choses. Ça pour tout de suite. Ici, ça, j'en reviens à la même place. Où est l'élément qui manque? Comment je fais pour aller chercher? Bon, il me reste quasiment plus rien à mon inventaire, fait qu'il manque quelque chose. Ça ici, non. Ouais, ça je sais, mais ça me prend d'autres choses pour ça. En hauteur ici, y'a rien. Et comme d'habitude, je cherche partout, je suis sûr que la solution est tellement facile. Présentement, ça me vient pas. On va sortir de là. C'est étrange qu'il n'y ait pas plus que ça à faire dans cette pièce-là. Ça, c'est ok. Ça, c'est correct. Ça, j'avais compris. Zoomer, ça, j'avais tout fait ce que j'avais à faire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça n'a pas rapport. C'est quoi qu'il faut faire ici? Un code a été écrit, un peu moins de le récupérer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas pour ça. Avec le crayon. Un mini crayon du jeu, je dois le tailler. Ah ben oui, hein? Avec le couteau, pourquoi pas? Donc, si je comprends la logique, faut plus acheter des guisoires à nos enfants pour aller à l'école, faut leur donner des couteaux. Je
bien compris. En fait, pas ça, c'est une blague. Là. Donc, est-ce que je peux maintenant utiliser le crayon pour peut-être... Non, hein, c'est ça. Donc, le crayon va me servir à écrire le code, je crois bien. Je vais sortir d'ici. Si j'avais demandé peut-être un objet pour aller récupérer, je me suis dit peut-être qu'avec le crayon, je suis capable, mais justement, non. Fait que ici, je vais utiliser le crayon. Je vais créer le code. C'est bien beau, hein, mais... Ça va me donner l'espèce de combinaison. Hein. Pas évident. I think I've seen these symbols somewhere before. Donc, une espèce de soleil, un poisson, puis un X. I think I've seen these symbols somewhere before. Ok. Donc, si je retourne au départ... Je retourne ici encore. Je m'en vais ici, je vais peut-être pouvoir l'ouvrir. Donc... Ah, ça c'est bien, ils ont, au moins ils ont mis le code là. Ok, moi je sais à quoi m'en venir. Le soleil. Le poisson. Et le X. Bon! Ça avance, ça avance. Bon, ici on a quoi? On a quelque chose ici, d'accord. Zoomer. Interagir. Ouais, effectivement. Ça je peux pas prendre ça tout de suite. Ça ici, ça me prend une clé. J'ai 4 objets à récupérer, je crois. I remember that coin machine from my childhood. Unfortunately, it's broken now. I remember that coin machine from my childhood. Unfortunately, it's broken now. Ça ici, ça va être quoi? Je vais ramasser la brosse. Ensuite de ça, une des... non, c'est pas ça. Ça me prenait une des hélices. Ça, c'est quoi ici? Il manque un parchemin. Ah, ok. Ici, j'ai trouvé ça. Là, il manque l'espèce de marteau puis l'autre truc. Ah, ici, il y a le rideau que je peux ouvrir. Ah, ok. Ben, je devrais tuer l'étoile d'araignée. Donc, est-ce que je prends la brosse? Oui, parfait. Donc, j'ai trouvé la clé. La clé va me permettre d'ouvrir ça ici. Voilà. Interagir. Il faut que je reproduise le dessin, je crois. Comme ceci. Et voilà. Le gant pour pouvoir prendre la chandelle. Ça va de soi. Pas la chandelle, mais l'espèce de... Prendre ce qui me manquait ici. Ensuite de ça, là, il manque... 5, c'est quoi? C'est un hexagone? Ou un pentagone? Un des deux, là. Il manque le maillet. Le maillet, je l'ai pas encore. C'est ce qui ça me permet. Ça ici, je peux mettre l'espèce d'hélice, en tout cas, qui manque. Je crois. Voilà, ça, ça va faire que ça rouvre un œil. Là, il va aller dans le soleil. Qui va ouvrir ça ici? Qui va me permettre de prendre... L'autre pièce ici. Cette pièce-là devrait s'agencer ici comme ça. Qui va me donner ça ici? Une chandelle. Non, c'est une chandelle ça? Non. Là, je ne peux pas prendre ça. Non. Je t'attends. Des fois. Là. I remember that coin machine from my childhood. Unfortunately, it's broken now. Quoi qu'il m'a envoyé là, pas. Ok, ça, ça va comme ça. Non plus. Ok, c'est vraiment le marteau que ça prend là. Ensuite, ça ici. Voilà, bon. Faut que je réussisse ça.
faire un dessin, je sais pas trop. Ah, ok, ça fait que ça bouge. C'est quoi, faut que je reproduise, par exemple? Je comprends pas trop, mais bon. Hop, hop, hop. Ça, ça n'a pas rapport. C'est une autre partie de ce dessin-là. Ça, tu sais, c'est comme ça. Oui. Alors, ça, ça fait bouger ces deux-là, c'est correct. Donc, si je me fie à ça comme ça, là, je trouve un autre dessin avec des étoiles. En principe, ça serait celui-là ici. Et voilà. Bon. Et le voilà le maillet. Donc, le maillet va aller ici. Voilà. Frappe sur la pierre. Et ça me donne ça. Et voilà! Donc, j'ai trouvé la pièce carte. Mettre ça ici, ce qui manquait dans le tiroir. Donc, je vais pouvoir ouvrir maintenant et prendre le symbole qui manque ici. Interagir, on va ça comme ça. Merci. Oh, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ouvrir carte. Ah, oh, j'ai trouvé la carte de l'endroit. Ça, c'est cool. Ok, porte d'entrée, la maison, c'est là que je suis rendu. Ici, bon, comme ça, musée slave. Bon, et je vais pouvoir prendre un dracard pour aller plus loin. Ok. Bon. Alors moi, j'ai trouvé la carte. Ça va plus à quoi m'en tenir. Alors, je vais retourner par là. Là. Faut que je rentre ici. Aller porter l'autre symbole. Le symbole était-tu par là-bas? Ah, je pense que oui. Non, ça, c'est la figurine qui va là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Donc. C'était pas ça, ça c'est deux pièces qui me manquaient. Donc, ça se tient ici? Non, c'est dans la maison. Est-ce que c'était un peu plus loin? C'était ça ici? Ouais, c'était là, ok. Utiliser, mettre le deuxième symbole. Ça, ça me donne quoi? Ah, c'est un mini-jeu. Ok, d'accord. Instruction. Placez les mains pour qu'elles soient reliées par la même couleur. D'accord. Ouais, ça, 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 pas évident par contre. Le sens de ça, il est pas super développé. Là. Bon, ok. Ça peut être long, ça je vous avertis. Là. Essayez de trouver la bonne méthode. Ça n'a pas été si long que ça, finalement. Oh, là, c'est la feuille qui me manquait plus tôt, ça. Un autre succès. Intelligent. Oh, ben merci, c'est gentil. Vous avez terminé 3 mini-jeux d'affilée sans passer. Ah, c'est ce qui me manquait pour la recette. Planning poudre fougère. Bon, ok. Ça, je pense que c'est l'ortie qui me manquait, c'est ça? Je crois que c'est l'ortie, c'est ça, pour la potion. Ouais. Ah, puis le symbole aussi. Excellent. Bon, je vais pouvoir concocter enfin ma recette. Ce qui manquait un ingrédient. Celui-là ici. L'espèce de poisson. Moi, je pensais que c'était une espèce de... Bon, on dirait que c'était un flacon avec des feuilles. Donc, si je prends ça, fais ça comme ça, mélange le tout. En fait, j'ai pas mélangé. Ou oui, en tout cas.
It's a good place for the bandage before I apply the balm on it. Ouais, mais ça me prend super con. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, j'ai amorti et tout ça, mais ça me prend le bandage. J'ai pas sur mon inventaire, là. Non, j'ai pas de bandage. On va sortir d'ici. Non, ça, je peux pas encore aller chercher la figurine, je pense pas. Non. Ok, là, je vais ressortir de la maison. Je vais aller là-bas. Monter ça ici. Mettre le symbole. C'est quoi qui me manquait la figurine, mais ça, je peux pas tout encore. D'accord. Mais ça, non. Ça, ça pas toujours la figurine, donc. Ça, c'est fait. Ça, ici, ça me prenne à quoi, ça? J'ai toujours pas les cisailles non plus pour ça. Ensuite, ta carte. Action disponible. Donc, présentement ici, il y a une action disponible. Je suis ici. Fouiller. J'ai pas oublié quelque chose. Non, mais ça, je sais qu'il manque deux pièces. Fait que c'est sûr que c'est pas ça. Ça, c'est quoi, attends? Je peux rien prendre. Retourner à la maison de Baba. Ça, je l'ai fait. Ça me dit la carte. Ok. Faut que je trouve un morceau de tissu pour faire l'espèce de bandage finalement. C'est sûr que c'est pas là. D'une interagir, mais non, pas vraiment. Monter. Zoomer, mais ça, ça revient au même tantôt. Donc, c'est pas là que ça se passe. Si je retourne sur mes pas, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Ça, je l'avais tout fait. D'accord. Ça, c'est tout fait aussi. Bon, j'ai pas le choix. Faut que je continue. Faut que je trouve vraiment l'espèce de deuxième pièce. Ok, il y a quelque chose que j'ai pas... non. Là. Ah! Et wow, bravo! J'ai trouvé le bandage au moins. C'est vrai, à chaque fois qu'il y a une place qu'on doit ouvrir, qu'on peut mettre quelque chose, ça ouvre quelque chose d'autre. Puis... C'est étonnant, moi, que j'allume. Je vais pouvoir placer le bandage ici, comme ça. Mettre la mixture là-dessus, ramasser. Donc là, je vais pouvoir le donner au petit garçon. Un succès, c'est quoi que ça donne? Un coup de main. Vous avez préparé la bombe guérisseur. Je vais pouvoir y donner. Thanks. I feel better already. We must find your grandma. The moth carried her across the lake. That's where Baruta's castle is. And now that he has stolen the fern flower, he can... Oops. I'm not allowed to speak about it. Oh no! The fern dust is wearing off! I gotta go! C'est une créature slave, finalement. C'est pas un vrai petit garçon.
échapper son chapeau. Ok. Je vais m'arrêter là parce qu'on approche le 1h. Donc, comme d'habitude, j'aime bien, c'est la même formule encore, l'objet caché, l'interactivité avec, avec ce que nous offre le jeu. Une histoire semble toute intéressante jusqu'à date. Déjà en partant d'un remontissement, on pensait que l'homme nous aiderait, mais finalement non. Mais avec le synopsis que j'avais lu au départ, puis avec le nom de la personne, je me doutais un peu qu'il arriverait de quoi. Mais... Non, là, j'aime bien. Sérieusement, c'est comme les 5 premiers que j'ai testés. Là. Ça va être encore pas mal de plaisir pour le jeu. Puis, comme vous avez vu, lorsque je parlais au plus tôt, c'est une machine à succès, là, ces jeux-là. Vous avez vu, j'en ai accumulé peut-être quoi, 5-6 jusqu'à date, là, puis ça fait une heure à peine là, que je joue. Là. Donc, ceux qui sont des chasseurs de succès, là, vous allez bien aimer ces jeux-là. Pas très compliqué, on peut faire ça en famille, aucune violence, rien du tout. Là. Puis, bon, malgré que c'est juste c'est en faire en anglais, mais sous-titres français, mais c'est pas grave quand même. Au moins, ils se sont forcés à le faire, ils étaient pas obligés. Ils auraient pu juste laisser ça en anglais, puis on n'en parle plus. Mais c'est Artifex Mundi, je connaissais pas ce studio-là avant. Je connaissais même pas qu'il y avait des jeux comme ça sur PC, honnêtement. Là. Les jeux d'objets cachés que j'ai déjà joués, c'était vraiment pas de ce style-là. C'était vraiment plus basic, comme je disais au départ, mais j'aime vraiment de ce style-là. Donc, c'était Dovahkiin pour explorer jeu sur Eventide Slavic Fable sur Xbox One. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo sur ma chaîne FGTV sur YouTube. Il y a ma chaîne aussi Dailymotion. Dovahkiin, il y a ma chaîne Twitch Dovahkiin aussi. Il va y avoir l'article sur le site de FactorGeek.com avec la vidéo. Vous pouvez nous envoyer des commentaires et suggestions au FactorGeek@gmail.com. Sinon, il y a le Twitter, le Facebook, le Google Plus de FactorGeek et il y a mon Twitter personnel de Dovahkiin aussi sur lequel que je réponds tout le temps. Ou en tout cas, le plus possible. À moins que vous m'écriviez quand je dors, parce que oui, ça arrive que des fois que je dors. Mais je vais vous répondre sans problème à mon lever. Donc voilà. En terminant, amour, paix et que la force soit dans le jeu vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine!